Ah, je vais vous demander d'applaudir quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas. Maïté, est-ce que vous connaissez Jackass? Non. Pierre est fan de ça. Hein. J'aime beaucoup. Comment expliquer Jackass en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas? Qui c'est celui-là? C'est du pétage de plomb. Voilà. Okay. Ouais. Eh bien, le pétage de plomb, on lui demande de venir s'asseoir directement à côté de moi? Allez. Oh, tant qu'à faire. Je vais vous demander d'accueillir l'un des plus frappadingues de tous. Attention, ça tâche. Voici Steve-O. How are you? Il est en pleine forme. Attention, te casse pas l'autre pied. Qu'est-ce qu'il s'est... How are you? Et c'est... Ça va? Ça va. Fine. Bon, bah... Il est venu s'asseoir, les amis. Steve-O... Pardon, ça, on n'a pas le droit. Ah. Just... Steve-O, is it possible? You understand to me? What I say? Je sais pas pourquoi je parle comme ça, on a une traductrice. Vous m'entendez dans votre casque? Of course I do. Steve-O, est-il possible de refaire des petits bons puisque nous avons Mousse Diouf qui et puis ensuite on finit l'émission ensemble. Me. I think we're gonna make this show a hit. Ça va être génial. Ah alors bah, oh mon Dieu, ça me fait super peur dans l'état de regard. Alors est-ce que quelqu'un peut raccompagner donc Steve-O juste à sa place, Mousse Diouf, et ensuite on finit l'émission ensemble. Okay. Yeah, Steve. You gotta be kidding me. I thought this Steve, guy was gay here. When I was on the radio. Non, je suis pas gay. Tu de ma gueule, je pensais qu'il était gay. Non, je suis pas gay. Steve, could you please go there? Please, Steve. Je pense vraiment qu'il est gay. Steve, oh, tiens, Pierre, t'es fan Steve, de Steve. I got a gay trick right now. Now you know how to open champagne bottle. Vous savez comment ouvrir une bouteille de champagne? Yes. Non, pas maintenant. It's a start. No, after. C'est une cascade. After at the you. End of the show. No, not at the end of the show. I keep at your bouteille of no, champagne. No, we do it now. On le fait maintenant. Yes! Now. Now, you unscrew it, you open it. And you shoot that cork. Hey, you don't prefer in 10 minutes? Yeah, we got more stunts, dude. We have lots of stunts tonight. Nous avons plein de cascades ce soir. Ouais. Yeah. Bon, les mecs, c'est quoi là? Steve-O. Non, Steve-O. Ouvrez la bouteille et envoie les bouchons. In 10 minutes. Non. On fait ça. Non, Steve. 10 minutes. We have surprise for you. In 10 minutes, you come back. Et promis, tu fais rien avec, hein? I won't do anything. Okay, sure. Je ne fais rien. Steve, non. Steve, non. In 10 minutes. 5 minutes. Tonight, I am celebrating. Ce soir, je fais la fête. Les ravages de l'eau minérale, Steve-O, non. Again. Ce soir, je celebrate. Non. Dans 10 minutes. Steve-O Video Volume 3. Son DVD sort aujourd'hui, donc on célèbre ça dans 10 minutes. Know. In 10 minutes, it's okay? Attendez, je vais remonter le pantalon parce qu'il est un peu en train de tomber. Okay. Non, Steve-O. Ok. I'm chill. Non, mais pas là ça parce va, que. Tu vas bien. Bon, Mousse, ça va? Ça va, c'est cool. Ça va. Bien, alors Mousse, on va faire comme on peut, hein? On va faire comme on peut. Vas-y. Si on peut pas y arriver, tu reviendras. On revient. Je présente, si vous venez d'arriver dans la méthode Coué, ce garçon s'appelle Steve-O, il est américain et en pleine forme. C'est de l'eau minérale qu'on lui donne, bien sûr, c'est de l'eau minérale. Ok, No problem. Ce n'est pas grave. Non, rien n'est grave. Maïté, vous ne connaissiez pas Steve-O? Il y a du boulot là, hein? C'est,
C'est-à-dire que quand je vais faire l'interview maintenant. Voilà, donc Steve, stay cool, 10 minutes. Alright, so fucking interview me. Eh ben ok, autant interview-moi. Alors, Mousse Diouf, on va faire comme s'il était pas là. Hein? Yes, yes, no problem. Il va me mon pauvre Mousse, je suis désolé. Je t'en prie, attends, ça va, tout va bien. Alors, avant quand j'étais noir, le spectacle de Mousse Diouf, je vais faire comme si de rien n'était. Créé au printemps dernier. You can interfere whenever you want. You know what I love about France? Non. Ce que j'aime en France. In France. J'ai très peur. Shit. Isn't a swear word. It's not a bad word. Il dit que shit n'est pas. En France, français. On peut merde. Dire shit. On peut dire merde. Merde. And fuck. Voilà. Fuck's not a bad word either. Traduisez pour ceux qui shit, fuck. Fuck. Monsieur le traducteur. Si, un petit peu quand même. On peut dire fuck. Est-ce qu'il y a besoin de traduire? Vous avez compris, Maïté, hein? Je vous en prie. Je demande deux secondes, les amis, on fait quoi? Il faut lui mettre la pince dans la bouche. Semaine prochaine. Il faut lui mettre la pince dans la bouche. Tout le monde revient, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe à sa place? Oh, il s'installe à sa place! Bravo! Ça va, Stivo? Yeah! Attendez les gars, attendez, on va se poser deux secondes parce que j'ai demandé à Stivo, excusez-moi, mais on peut pas me dire 50 trucs dans l'oreille et en même temps dire oui, non, l'émission continue, machin. Donc on se fait deux secondes. Ce que j'aime en France. Ah. Hey. Fucking porno, baby. Porno. Great porno. Il y a du grand porno en France. I swear to God, like, I can't even take a nap in my hotel room. Je ne peux même pas faire une sieste dans ma chambre d'hôtel. Because the porno is so good. Parce que le porno est tellement bon. I'm just stroking my wiener all day. Je passe mon temps à me masturber. Yes, it is. Dans un instant, planquez les enfants et tout le monde, allez vous coucher. Steve-O en liberté dans cette émission. Dans 5 minutes! In 5 minutes! Voilà, je vais lui péter l'autre pied, moi ça va le calmer. Bon. Alors quand on dit que vous êtes un chaud lapin, c'est vrai. Et Mousse. Ouais, je suis un chaud lapin. Je sais que ton sexe ne sera trop gros pour ce petit truc rouge. Eh bien, if it could, si jamais c'était possible. Your shit would be red, dude. Oh, il deviendrait tout rouge. Like what? Eh bien, c'est... Mon maître deviendrait tout rouge. You gotta have... My dick don't fit on this, man. On rentre pas dedans. Non. Alors, c'est le moment d'en parler, comme ça on sera tranquille. Yeah. C'est une légende ou pas? Oui, c'est une légende, ouais. Hey, dude, c'est une vraie légende. Ah, il n'y a pas de... Si jamais ça rentre pas... Le traducteur. Stivo, dans 5 minutes. Essaye. Non, non, il va pas l'essayer. Non, non, non. Non, non. Non, 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 non. Il y tient, c'est un capteur tout neuf. Non, il faut do le that. Gars, il rentre dedans. Eh bien, en attendant, légende ou pas légende, hey, nous Steve-O, avons... Hey, Steve-O, if I do that, the legend's gonna fall today, you know? So I don't want... Stick it in your pants and never show your penis, but give us the reason. Mets-le dans ton pantalon, tu verras. Non, mais le plus fort, c'est qu'il y a des Américains... Yeah, dude, les Américains... Excuse-moi, juste pour voir la couleur. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, Steve. On y va. Quand je pense qu'il y a des Ricains qui gardent l'Irak, tu vois, comme ça, putain. Wait, you see me put my cock in there. Tenez de me voir le faire. Mais pas dans cet état-là. Bon, donc dans un instant. Bon, je terminerai sur cette petite chose. Ouais. C'est le cas de le dire. Donc, c'est une légende. C'est une légende, c'est une légende. Je le dis comme je le dis si bien, oui, c'est une légende. Dit, les Noirs sont normalement constitués. C'est vous qu'on avait une petite. Je vais déconner sur ça aussi.
Est-ce que Steve-O nous rejoint ici ou est-ce que Steve-O reste là-bas? Là-bas. Eh bien, Steve-O nous rejoint sur le fauteuil, Steve-O, mesdames, messieurs. Please. Alors, à partir de... Non, 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 non! Je donne ce truc en plus. Je sais pas ce qu'il va pas casser la tête. Alors, si vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas. La question. Si vous. Non, mais il faut pas. Que je suis prêt à faire une émission qui marche en France. Je le suis. Ah si. Sit down. Alors ce garçon s'appelle... How are you? I am great. Ça va très bien. Regardez pas, qu'est-ce qu'il y a? Elle est belle. What's happened? Elle est... Il s'est calmé d'un coup. What is the problem? What's the problem? I was on the radio with you this morning. J'étais à la radio avec toi ce matin. Ah oui, alors, oui, il s'en souvient bien, c'est bien, c'était ce matin. Donc, ce matin, alors... You don't scare me. Vous voulez que tu ne me fais pas peur. My lawyers told me not to go on this show unless I have my own translator. Mes avocats m'ont dit de ne pas aller dans cette émission à moins que j'aie mon propre traducteur. Où est ton traducteur? So I know that my words will be translated. Être sûr que mes mots soient vraiment traduits. Est-ce que vous êtes vraiment son traducteur? Yes. And now I showed up on his radio show this morning. Je suis allé à son émission de radio ce matin. And he's got a tattoo artist. Et il a un tatoueur. Waiting. With gloves on. Qui m'attendait avec des gants. He tells me. Et il me dit. That he wants me to have the letter C. Il voulait que j'ai la lettre C tatouée sur moi. For his initial. Pour son nom, for Koué. His name. For his show. Pour yes. Son émission. And God damn it, I said yes. Et oui. J'ai dit oui. Mais. Ah. Mais. But. Mais. Yes. Mais. On l'a dit 20 fois. Mais. Mais. I wanted a fucking marijuana leaf. Je voulais une feuille de marijuana. Marijuana! Ce garçon donc consomme des herbes de Haute-Provence, hein, c'est ce qu'il vient de dire. Oh, hold on. Marijuana! Maïté, connaissiez-vous Steve-O? Non. Steve-O, je garde un très bon souvenir. Ah oui? Vous vous en souviendrez? Fumé, eh bien, c'est la surprise, il vient manger dimanche, à la maison. C'est moi? Oui. Je n'y suis pas, j'ai de la chance. Pierrot l'a invité, il vient dimanche. Oh là 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 là. Ils sont super copains. Steve-O, do you know Maïté? Hi. Il regarde pas, là, il sait plus où elle est, là. Elle est là. J'étais dans ma loge. I spent the night in my dressing room watching the television. Oui. J'ai regardé la télé. Thinking about you. Et j'ai pensé à vous. À Maïté ou à qui? Me? I don't think that you would ever want me. Je ne pense pas que vous voudriez de moi. Mais de qui tu parles, Maïté ou? But I'm looking at her. Je la regarde. She's so beautiful. Elle est si belle. Et je sais qu'elle ne voudra jamais de moi. Mais pour... I will always want her. Tout... Moi, je voudrais toujours d'elle. Alors... Ses seins sont incroyables. C'est pas moi! C'est pas moi! Et je sais qu'ils sont vrais. Non, non. I know they're real. Attendez, moi, il y a un truc que je comprends pas, donc je vais y aller parce que je sais pas qui y parle. Pierre, excusez-moi, vous parlez de Maïté ou de Cécile? De moi. Now, this one's got bigger boobs. Ah, vous avez des plus gros seins, il vient de dire, le jeune homme. Ils sont énormes. Laissez ma Maïté tranquille. Il va venir toucher, ça te vient, Jean-Marie. On a fait de lui confiance. Si on parle de taille... That sink.
Ça, c'est énorme. On va s'asseoir, Steve-O. Je la ferai couler. Par contre, si je dois me toucher en pensant à quelqu'un, c'est elle. Et ben voilà. Ce moment de poésie étant maintenant terminé. Je... Alors, top. Vous avez vu battre une anguille. Top. Top. Oui, 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 c'est ton si c'était mon sexe. On arrête, c'est fini. Maïté, calmez-vous, n'excitez pas non plus. C'est fini. Ça aurait été impossible, hors de question. Stop. Je mettrai mes... mon pénis Maïté, entre... Arrêtez de faire des signes, vous comprenez pas ce qu'il dit, je vous jure que c'est atroce. Alors, ce garçon que vous venez de voir ici... Non. Mais je ne le crois pas. Mais c'est pas. Il a pissé sur mon bureau. À quelle heure ça passe? Non, je n'en sais pas possible. Steve-O, it's not possible. Not on TV. Et non, non, lui revient pas sur, lui revient pas sur mon siège, hein. Steve-O, non, non. T'assieds pas, t'assieds pas. Maintenant, attendez, je vais attendez, faire une cascade. Excusez-moi, attendez. Est-ce qu'on peut m'expliquer... Attends, stop, one second, Steve-O, one second. Before the perform please. Machin, please. Steve-O, ta gueule, deux secondes. Alors, je vais faire une cascade. Pierre, qu'est-ce que t'aimes bien dans ce garçon qui, rappelons-le, s'agrafe l'anus, s'agrafe les testicules sur la cuisse, se met de la vodka des fois en piqûre, se met des Vénus sur le visage, se fait des rails de piment, met le feu à son sexe et à ses cheveux. Bon, il est grand, il fait ce qu'il veut de sa vie, hein, d'un autre côté. Qu'est-ce que t'aimes bien chez... J'hallucine, là. J'hallucine un tout petit peu, hein. Sounds like he's a fan. Pierre. Ouais, mais faut on dirait un fan. Il faut se détendre. Ah bah, ouais. Il s'est détendu, là. Hein. Là, depuis 3 minutes. Il s'est un petit peu qui veut me voir faire une cascade? Quand tu vois... Alors, Steve-O, on a dégagé un petit on peu... On y va tout de suite. Pierre, on a dégagé un petit peu le matos pour que Steve-O puisse avoir un peu de place. Pierre, t'es fan? Cascade la plus dingue. C'est pas pire qu'un mec qui fait la guerre. Steve-O, ah non, c'est même moins dangereux. Voilà. C'est une cascade avec la bière. Je me lève, attends, je me lève. With my beer, I'm going to amaze you. C'est ma bière et je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Attendez. You're not gonna believe it. Vous n'allez pas y croire. À côté de qui? Vous êtes con ou quoi? Je sais. Mais à côté de qui? Attendez. Cécile, barre-toi. Laisse les écrans, on s'en fout. Attendez, Steve-O, qu'est-ce que... Stop. Je vais la faire tenir en équilibre sur ma tête. Ce garçon, ça y est, visiblement, en a consommé un petit peu, l'alcool, donc je vais un peu le violent. Faire. Si une fois que ce sera fait. Si vous me faites que ça, de la tenir sur la tête, c'est pas grave. Ah, aussitôt que je lâche, mon bras descend. Monter ma béquille ou mon bras. Et je vais boire cette bière. Okay, là c'est ton... Pierre, vous avez remarqué que tout le monde s'est barré sauf Pierre qui reste à table. Hein. Je vais aller avec Pierre, moi, on va se soutenir. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, le principe, j'ai pas compris. Il doit faire un demi-tour et ça va aller là. Pierre, franchement, pendant qu'il fait ça, Pierre, toi, t'es fan de Jackass, t'es fan de Steve-O? Laisse-le faire son truc. Non mais moi aussi j'aime bien, sauf que là... C'est horrible. À quelle heure ça passe le soir? Et pourquoi t'aimes bien? Ça passe à 4h du matin. Il te fait rire? Parce que... Merci pour ta réponse. Non mais... Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il... Je ne vais pas lever mes mains. Oh non. Oh non. Oh là là. But I will drink this fucking beer. Arrêtez cette bière. Oh yeah. And all I have to say to France
tout ce que j'ai à dire à la France. Voilà. I love you, fucking baby. Vous aime. Yeah. Wow. Je crois que regarder de la télévision ennuyeuse, c'est un crime. Oui, mais tu vas te calmer quand même. Watch television when it's a fucking hit. Bon, je vous dis au revoir avant qu'il se passe une catastrophe watch ici. Television when it's amazing. En vous souhaitant une belle soirée, parce que je vais ta gueule, toi. J'ai peur de dire un petit peu de watch tout, là, c'est ça. When fucking Steve-O's très bien, television. Je vous souhaite une belle soirée, je ne sais même pas quoi ce qui va arriver maintenant. Allez, bonne soirée, applaudissez-le. On s'en souviendra très longtemps, merci beaucoup. Cécile, barre-toi. C'est pas ton rôle. Yeah! It's finished, Thibaut! Non, Cécile, laisse, on s'en branle, barre-toi. Cécile, tu le laisses. Remets-toi à ma place, il a pissé sur le bureau, t'es con ou quoi? Je vais me mettre à ma place. Remets-toi à ta place. Allô? Le son dans la salle, c'est possible de mettre le son dans la salle? On m'entend. Je tenais juste à vous faire mes excuses, je suis sincèrement désolé, parce que je pensais que ce garçon était à peu près dans un état normal et que ça se limiterait à une bonne blague de potache, à rentrer dans des sièges et à faire des machins. Je suis désolé, je pensais pas que ça serait un spectacle pareil, et comme j'ai pas non plus envie de vider des invités... Je parle. Et comme j'ai pas envie non plus de vider des invités comme des malpropres, et pourtant, je tenais à m'excuser. Auprès de vous, voilà. J'aimerais qu'on me chope le mec français, je le dis franchement, le mec qui gère Stivo, que j'ai vu ce matin, qui m'a dit, je promets qu'il va se calmer et qu'il va être super bien. Le mec, je veux le voir. Vous me le coincez dans un coin parce que c'est irrespectueux ce qui s'est passé. Stivo, il est dans un état, on peut pas lui parler. L'autre connard, vous me le ramenez. Et j'ai 2 mois à lui dire après l'émission, ça je tiens à vous le dire aussi.